Yo tout le monde, on se retrouve sur la suite de Walking Dead, tout à fait. Très très bien. Voilà, bienvenue dans la suite de l'aventure. On se trouve sur l'épisode 6 de Walking Dead et on est donc parti pour péter du zombie avec notre merveilleuse arbalète et on est... Nice night, huh? On était arrêté ici, tout à fait. I've had second thoughts about this one. Hey, I'm gonna go check it out. If it looks dicey, I'll be right back. If it looks dicey? Hillbilly, you've been at this way too long. Tu vas arrêter de suite de m'appeler comme ça, ça va pas trop le faire entre nous sinon. Fell on my damn walkie. Non, mais comme par hasard. Good as no. Ok. Scout. L'arbalète. Hey, Scout. Ouh, attendez. Alors, faut que je me remette dans le bar encore une fois. Voilà. Vache. Ça bouge vite, ma foi. Alors, ça, c'est pour taper. Here we go. Tout à fait. Here we go, fuck's sake. Yep. Qu'est-ce que c'est? Mission de fusil d'assaut. Je pense qu'ils vont péter ce grillage en force, mais on va faire comme si c'était absolument sans risque. Parce que c'est absolument sans risque. Ok, vas-y, lève-toi. Parfait, magnifique. Encore une mission de fusil d'assaut, ça, ça me plaît, ça. Ça, ça me plaît. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Par vous? Si ça vous plaît pas, vous êtes un peu con. Lui, là, vous voyez, là, 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 là. C'était sûr, 100%. Oh. Ah d'accord, tu te lèves seulement maintenant. On va être tout à fait un écureuil. Ah bah toi aussi. Non mais vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je suis une grosse bite. Charge. Voilà. Charge. Voilà. Bah, on voulait pas mais je me casse. Alors on va mettre la torche parce qu'on voit pas grand chose. Bonsoir. Merde. Bonsoir. Cet endroit a l'air tellement rassurant. Putain. En fait, ils sont tous assis, ils vont tous se relever en mode bonsoir, tu m'as pas vu, hein, je suis vu du fusil. Oh fuck sake. Oh fuck. Yes. Toi, tu vas te lever, c'était sûr. Il me reste plus qu'une flèche. Va falloir oublier les mecs. Mon dieu, le bruit que tu fais, c'est captivant. C'est captivant. Non mais attends, attends, attends. Pourquoi tu montes alors que tu sais très bien que lui là, il était pas mort. Voilà. Alors vous voyez, ça commence à être prévisible les mecs. Hein? Voilà, genre lui là, bah, il est pas mort non plus. Et genre lui là, bah, il est pas mort. Voilà. Par contre, lui, là, il a eu le temps de se lever. Fait chier. Merde. Ok, recharge, 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 recharge. Vas-y, gamin, gamin, allez. Ouh, magnifique. Alors oui, je fouille extrêmement, mais je suis actuellement en train de chercher le fusil d'assaut. Je sais absolument pas si c'est un fusil d'assaut, mais bon, étant donné que je trouve des munitions partout depuis tout à l'heure, je suppose que... La vache. Et quelque part, il y a un fusil d'assaut caché. Oh non. Non, 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 je le sens pas ce coup-là. There you are. Jackpot. Pff, fuck you. Spotted a live one. Can you initiate rescue? Negative. Pick up the swarm. What? Shit. Time to move, girl ass. Marl. Oh fuck. What the hell? What are you doing, D? Ditch me, man. I guess the old man only raised one smart one. Mm. He didn't raise nobody. Est-ce qu'ils m'ont vu? Oh fuck, oui, ils m'ont vu. Oh non, 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 ok. 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 Fuck. Oh la vache, non. Wouh. Hit that pussy. Ok, fuck, no. Nope, nope. Donne ma flèche. Quel fuck, man. Donne-moi la flèche. Ok, ok. Ok. The fuck, je suis censé faire quoi là? Ah, merci. Bitch, please.
Putain, c'était sûr. Nope. Nope. Je me barre. Je me barre. Ok, je me suis coincé. Toi, tu étais bien mort. Je me suis coincé. Je vais pas attraper. C'est pas par là qu'il faut aller. Putain. Peut-être que... Non. Il serait bon à en tirer. Ok. Voilà. Putain, foiré. Non. Munition de fusil. Ok, il faut que j'apprenne à tirer aussi. What? Shut up. Barrez-vous. Feu. Gauche. Ok. Ok, là je joue. Ok, à droite. Et là maintenant. Salut. Salut. Ah. I saw you fall. Your head's bleeding. Oui, excuse-moi, je me suis poursuivi par une horde de zombies, quelque chose de tout à fait normal pour quelqu'un comme moi. Mais t'es absolument pas venu m'aider. Il a dit que mon Toki était pété et il parle pas le Toki. T'en as trop pris. Ouais, t'en as trop pris. Ouais, c'est pas grave, désolé. Il me semble que je suis déjà venu dans cette ville. Merci pour l'essence. Et c'est quelque peu disposé exactement comme la dernière fois. Allez. Donc logiquement, dans le wagon à gauche, il y a beaucoup de trucs. Tout à fait. Oui. Je pense que c'est pas mal, je pense qu'on peut partir. Je pense qu'on peut partir même très vite. Bien sûr. Ouh la vachette, pourquoi tu tapes loin? Ah fuck! Trouver une batterie, allez! Voilà! Parfait! Il faut que je trouve une. Oh. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, franchement. Ah! Bon. Putain, mais il y en a plein. Le deuxième aurait dû mourir aussi. Je suis pas d'accord. Il faut que je trouve des flèches. Je pense que c'est vraiment... Non, tout ça, c'est vraiment important parce que les flèches au moins ça se réutilise. Il me reste une balle, je vais aller très très loin avec une balle. Non, mais attends, faut que j'aille par où? Parce que là il y a un zombie, je peux pas y aller. Là, je peux pas y aller. En fait, faut que je retourne par là, clairement. Et bien évidemment, dans le wagon, il y a un trou, je suppose que la batterie est ici. Franchement, génial. Personne s'en doutait. Sur 10. Allez, on est parti. Et mon truc qui est pété, elle continue à me parler. Non mais oh, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Wow. Quand même, délimité. Je suis con, mais pas trop. C'est une blague. C'est une putain de blague.
Oh non, 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 faut pas se foutre de ma gueule quand même. Putain, 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 putain. Dans ce jeu, on passe plus de temps à chercher des matériaux style pneu, liquide refroidissement, essence ou batterie, comme avant, plutôt que faire les missions principales du jeu. Tu connais pas moi? Moi je suis ouf! Je peux pas juste, je sais pas, genre, par exemple dans le coffre là, il n'y a pas une clé pour enlever les pneus, je pourrais pas les prendre et les mettre sur la voiture ou changer de voiture, ça peut être plus ici. Un peu plus vite. Ah, je peux rentrer? Ah putain! Je ne rentrerai plus jamais dans une tente. Bien bien, j'ai vu un truc pas très normal. Faut pas que je traverse ça quand même. J'ai vu un truc pas très normal au coin de la tente. Mais comme je suis con, mais j'ai pas réagi. Ok, alors les gars, surtout personne ne me. Et étant donné que j'ai une endurance de lapin asthmatique, je pense que je vais être assez facile à attraper. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Espèce d'enculé. Oh mais putain, j'ai une portée de. T-Rex. Et c'est insultant pour les T-Rex. Ouais, de l'essence. Ouais, de l'essence. Oh. Je vois des trucs partout, je vois des balles, des boissons, n'importe quoi. Et je peux pas aller les chercher parce que. Parce que j'ai pas d'armes et je vais mourir simplement, putain de merde. Je vais crever à cause d'un pneu alors qu'il y a des voitures partout autour de moi avec des pneus. Oh voilà, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Allez, et là c'est quoi qui va tomber en panne? Les essuie-glaces. Enfin, enfin la suite, enfin la vraie suite, celle qui sert à quelque chose. Vachement rassurant ton pote. On dirait Eric avec le cancer. Merci pour ce foulard. Je vais sans doute en avoir une grande utilité. Par exemple, me torcher le cul avec. Ok, donc j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. J'ai pas vu ce qu'il y avait par la fenêtre, mais j'ai vu un truc vert. Sans doute qu'il y a un copain là-dedans. Ah, une copine. Putain, ils sont costauds. Voilà, merci. T'as vu ça, comment je t'ai repéré à distance? Qu'est-ce que c'est? Salut. Alors, je perds pas de temps, je suis... Ok, dans ta gueule, commence pas à faire des trucs chelous. Salut! Oh, are you looking for the evacuation point? You're gonna have to come closer. My hearing in the service. Non, attends, elle a les yeux chelous et tout là. Oh. We came up here to try and find our daughters, Amy and Andrea, but my wife. Elle s'est fait bouffer la jambe. You need to talk to Aiden. He's in charge of signaling the evac choppers. Ouais, d'accord. Know where the guy is? He and his wife live in the house across the way, but I don't know if he's there. Oh yes, there's a pharmacy in the shopping center. Can you please bring something to ease my wife's suffering? Bien sûr, un gros coup de goudron dans sa gueule. Franchement, ça marche super bien. Et puis en plus, c'était très peut-être te faire bouffer, mais bon, après tu fais ce que tu veux, hein. De toute façon, des coups de jamais Daryl, parce que Daryl c'est le méchant. Et puis voilà. Culé, et je vais me barrer d'ici. Putain. Et ceci est un putain d'écureuil. Et ceci est une masse. Oh, une masse. Les masses, ça explose des crânes. Bonjour. Voilà. Parfait. Ouh. Ouh, j'aime cette arme. Ouh. Coucou. Oh la vache. Eh mais c'est de la balle ça, si je tape normalement. Oh mais c'est trop bien. Oh mais c'est trop bien. Oh la vache. Did Aiden send you? Coucou, c'est moi. I'm looking for him now. Qui es-tu?
You need to find my husband Aiden, so we can signal the helicopters and we can all get out of here. He went to the mechanic shop. Nothing's ever easy. Ah, mais putain, par exemple, je vous explique un truc simple. Je pourrais le faire moi-même s'il y avait les hélicoptères. Ok, là il y en a beaucoup. Là, je pense que c'est une situation critique. De type critique. Situation de type critique. Oh, possible! Et sinon, ton mari, quand il va travailler, ça lui arrive de buter des zombies sur sa route, non? Parce que c'est un peu la dèche quand même. Hein. Je vais pas te dire, ça sent un peu le piège, cette merde. Et c'est quoi cette eau de merde? Putain, mais ouais, bien sûr, le mec il est dans un bâtiment, il y a des zombies partout en bas. La porte est grande ouverte, tu te casses, tu te casses! J'en ai marre des screamers de merde. Putain. Je le sens pas ce coup là. Mais t'es sérieux. Mais t'es sérieux. Look, there's only one evac chopper left and the clock's running out. So how do I get out of here? Okay, alright. You need to get a bag I dropped in the mechanic shop and a smoke pods to signal the FEMA choppers. Ok, alors ce mec laisse tomber le sac qui sert à sauver des vies à la cheville tordue et s'arrête parce que c'est une putain de tapette. Écoute mec, t'as la cheville tordue, qu'est-ce que tu fais? Tu portes tes couilles et tu t'en vas. Mais si je tire, je vais tous les attirer en fait. Si je ne tire pas, je vais devoir me frayer un chemin. Pas grave. Ah, le bricoleur est là. Et ça va faire très mal. Très, 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 très mal. Surtout si je me tape sur la main. Bon, il est où ton sac alors? Ça, c'est bien ça. Oh, fusil à pompe. Oh, avec plein de munitions de fusil à pompe. Non. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Mais toi, je dois te déposer parce que sinon je suis mort. Voilà. Et maintenant que j'ai énormément de balles, tout le monde se dit, ça a l'air vachement bien. Il va se passer des trucs de ouf. Eh ben oui. Parce que bien évidemment, ces enculés, ils vont réussir à sortir quand je vais passer, putain, c'était sûr. Oh, fuck, non. Oh, bordel. Ok. 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 Bob le bricoleur, je pense qu'il va pas faire l'affaire. Ok, on va prendre Bob le sniper. Ok, Bob le sniper, c'est une bite. Ok, suivant. Ok, suivant. Ok, pourquoi j'ai bougé à ce moment-là? Ok. Ok. Il nous reste une balle, attention. Je suppose que cette balle n'était pas judicieuse. On va faire un peu le ménage, hein, histoire d'être tranquille après. Voilà. Bon, maintenant on va voir l'autre con. Salut! J'ai ton sac, mais t'as toujours la cheville tordue, du coup j'ai tort de se tuer. Bah, le bricoleur est de retour! Bien sûr, une putain de horde de zombies. Puis cette colosse, elle s'est enfermée dans une baraque! Espèce de gogol! Autiste de merde! Putain, et c'est méchant pour les autistes! Voilà, allez. Fuck you. Allez. Allez. Mais sa putain de porte aussi est verrouillée. Oh, toi là, toi. Putain, mais viens ici. Faut que je dois faire le tour et tout. Je peux pas juste la laisser crever. Ouais, ouais, super utile, bravo. 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 You saved me. You did it. Thank God for you. Sa fille de pute, il est mort. What happened to Aiden? Chopper came and took him. Wouldn't let him off. They're going to Atlanta, which is where I'm going. You coming with me? Non, tu viens avec moi. It's Atlanta, then. Tu viens avec moi, celui qui vient avec l'autre, c'est celui qui sert à quelque chose. Voilà, continuons ainsi. Continuons ainsi, mais la prochaine fois, j'espère que cet épisode vous a plu les amis. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout. Et laissez un commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera à faire la suite de Walking Dead. J'espère que on va se retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt.
Prenez soin de vous à tout le monde. À bientôt.